Et heureux, les amis, rebonjour. Oui, on se passe. Réflexe, le fait est que je tourne cet épisode immédiatement après l'autre, donc le réflexe, re. Mais oui, bonjour. Ça sert à rien, mais je réflexe dessus quand même. On part de suite, donc directement, évidemment, sur du... Moodbeat de la mort. On perd pas de temps. Même pas mal. Je dis même pas mal. Parce que moi, après, j'ai fait ça avec ma toute nouvelle classe. Headbanger, Ishbunik. Oh. Oh. Et ma vie est la même qu'avant. Ça fait tellement de mal que mon vol de vie contrecarre le contre-coup. C'est pratique, hein. Une tente. Ah. Ça veut dire qu'il y a un boss après. Petit dodo. On peut le zapper le... Non, on peut pas. Mode pod. Ouais, non, j'ai pas de pognon, laisse béton. Ah non, pas les accordéons, ils me font chier. Nique, non, non, non. Ouais, je vais stun. Je ramasse un peu plus de stock et je me casse parce que eux, je les aime pas. Ils m'empêchent de poser des barres. Parce que des mesures de douleur. Sauf que les mesures de douleur, c'est la moitié de mon build. Eh, hey, mais c'est qui? Tu crois qu'on a assez de... On a tourné assez de... De prise? Eh ben, ce tabouret est en train de me... Est en train de me niquer le cul, donc ouais. Et alors, j'avais l'air comment? Aussi classe que d'habitude, t'inquiète pas. Je pense que tes fans vont vraiment apprécier cette... scène de dernière les rideaux sur le processus musical. Mais tu crois pas qu'il aurait dû y avoir un peu plus d'enregistrement de conception de musique en tant que telle, plutôt que juste toi qui prends des pauses et qui danse partout autour de l'équipement? Non, ça va pas débile, je vais quand même pas révéler mes techniques musicales secrètes. Ouais, tu marques un point. Hein? Hein? Oh, on dirait que quelqu'un finit par passer. Ah, vous foutez de moi. Et dire que j'étais sur le point de féliciter l'équipe pour avoir gardé les fans à distance. Je dirais pas qu'on ait des fans. Eh ben, je dirais que je vais au moins gagner un autographe. Où est-ce que vous voulez que je signe? On n'est pas des fans. C'est même pas quitté. Et bah, ça au moins c'est facile à corriger. Je m'appelle Kakouak. Et je suis... nouvellement éclos. Ou NE. Il est NE. Maintenant que vous me connaissez, bienvenue dans ma fanbase. Oh, t'en prie. C'est toi qui as abattu cet arbre tombe. De quoi tu parles? J'ai pas le temps pour ces conneries. Maintenant, si ça vous dérange pas, il faut qu'on retourne au boulot. Oh, mais ça nous dérange! Hein? Vous êtes en train de détruire la qualité de vie de Claire avec tous vos fichus grattage, grattement là, gratouille. Eh, du calme, squelette. J'essaie juste d'enregistrer un album ici. Je peux pas le faire ailleurs? Pourquoi ici? Eh, ben, c'est l'un des rares endroits où je peux enregistrer peinard sans me faire emmerder par les fans.
Un truc de célébrité, vous pourriez pas comprendre. Et puis, Claire devrait sortir honorée que je l'ai choisie en tant que... que salle de concert. C'est pas beaucoup de gens qui peuvent en dire autant. Ouais, bon, et bah si tu vas pas t'en aller tranquillement, peut-être qu'un peu de dégâts musicaux vont te mettre le pied à l'étrier. Alors, vous êtes l'un de ces groupes débiles qui s'est inscrit au tournoi, hein? Alors, on pourrait vraiment combattre avec de la musique? Très intéressant, hein? Je vais l'admettre, la première fois que j'ai entendu de ce tournoi, cette petite gimmick a piqué mon intérêt. C'est dommage pour tout le reste, par contre. Hein? Comment ça, tout le reste? Eh, vous savez quoi? Je m'en vais si vous me battez dans un combat de musique. Mais si vous perdez, je reste ici et... et vous devez aller refiler toutes mes dernières sorties à vos amis et votre famille. Oh oh! Et peut-être qu'on pourrait prendre des photos de vous dans des produits dérivés Kakwak officiels aussi. Oh, tu vas en avoir pour ton grade, tête de piaf. Quoi? Non, je suis pas d'accord avec ça. Et si on perd? Trop tard. C'est parti. Ouais, tiens, vas-y. Assure-toi ce marché de marketing. Alors, deux mesures de douleur. Pour ta gueule. C'est cadeau, c'est maison. Tu sais quoi? Deux de plus. Hop là! Petit. Même pas mal. Ah ouais. Et bah moi aussi. J'ai pas un truc pour briser l'adversaire. Ah, je l'ai pas équipé. Bah, va juste mettre de la vitesse. Oula, je me suis un peu emporté. Ah, et lui, il m'a mis une mesure de lenteur. Je remets de la vitesse. Ah non, parce que j'ai pas assez de hâte. J'ai pas assez de hype, pardon. Et bah, je vais juste lui défoncer la gueule. Oh! Pas bon. Wow! Qui vient de mettre? Bon, je sais pas, mais je l'églingue. Oh! Il a pas l'air très fort. Hein. Je suis déglingué, écoute. Hein. Hype Scratch Plus. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu par tes méthodes, mec. Regarde ça, j'étais à nouveau rempli de douleur. Ah, et c'est à nouveau rempli de hype. Et ben, je vais à nouveau le remplir de points de dégâts. Qu'est-ce que je vous dise? Ah. Je te remets de la douleur. Je te remets de la douleur. Hype Scratch au max. Ah. Allez, dégage. Oh. Trop faible. Il est nul ce boss. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas possible, c'est moi le champion. C'est rien, car
Le monde sait que t'es encore cool. Désolé les gars, on dirait qu'on va pas refiler votre marchandise après tout. La ferme. De toute façon, vous serez sûrement mort le temps que mon prochain album sorte de toute façon. Hein? Qu'est-ce qui fait dire ça? Bah, vous êtes inscrit au tournoi. Bah, je veux dire, à moins que vous pensiez que vous allez tout gagner. Puis même si vous gagnez tout, vous allez avoir un sacré paquet de sang sur les mains. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pas pourquoi tu t'es inscrit, n'est-ce pas? Oh, la boulette! Ces combats, c'est à mort, tu sais. Quoi? Bleh! Non, c'est pas possible. Eh ben, c'est vite devenu bizarre. Je crois que c'est l'heure de partir. Allez, à plus. Paye! Paye, hein? Eh ben, au moins, c'est facile de faire des rimes avec. Ça te dirait un peu de clash? Non, ça ira. Je t'en ferai un plus tard. Allez, emballe-moi, K. Pas. C'est Piaf. Piaf qui chante ne pique pas. T'inquiète pas, Faye, je parie qu'il disait juste des trucs au pif pour nous faire du mal, comme un mauvais perdant. Ouais, j'espère que t'as raison. L'important, c'est qu'on ait gagné. La qualité de vie de Claire a été restaurée. Ouais, on devrait rentrer à Bobstead. Peut-être que Brief s'est enfin réveillé. Ouais. Non, je vais retourner à l'intérieur, je veux looter. Ils vont pas me téléporter à Bobstead comme... Hey! J'avais pas fini! Ah, contente que vous ayez réussi à retrouver la sortie. J'espère que... J'espère que vous êtes pas trop coupé les cheveux en quatre pour moi. Non, pas du tout. Ça a été tranquille. T'as plus besoin de t'inquiéter de quelconque grattement. Cependant, l'identité des destructeurs de Bois du Thon reste un mystère. Oh, ce n'est pas grave, vous en avez déjà fait beaucoup. Merci pour tout. Ok, ben on retourne à Bobstead. Hein. Je sais pas toi, mais j'aimerais bien boire un verre après avoir couru partout comme ça. Ouais, bah nique-toi, on y retourne. J'ai pas fini. Non, je voulais... Déjà, là, il y a une bouteille. Là, il y a une bouteille. Là, vous, une bouteille. La ferme, vous. C'est déjà par là que j'étais allé. Ah là, un coffre. Un clash trading. Les dégâts légers, deux fois, un seul adversaire et deux mesures de douleur. Ah. Ça serait si je voulais en faire un headbanger. Non, c'est sympa, mais j'ai déjà Yann en headbanger, ça lui va trop bien. Elle ressemble quoi à headbanger? Oh, pas mal. Mais non. Paye classique, c'est très bien. Et du coup, la question c'était... Attends, deux mesures de hâte. Attends. Oui, c'est ça, c'est lui qui a intimidé. Ouais, mais je... Je peux pas me permettre d'équiper cette intimidation pour l'instant.
Alors attendez. Hop là, je vous esquive. Un truc là? Non, c'est une buisson. C'est une bouteille. Ça, ça fait 8 bouteilles. C'est une 9e bouteille. Et ça, c'est un mec qui se cache. Oh! Eh, fais gaffe! Si tu cours partout comme ça, tu vas leur faire peur! Qu'est-ce que tu fous là? Et là, je regarde les oiseaux. Il y a un couple d'oiseaux qui sont en train de faire un rituel, une parade nuptiale juste devant. J'ai de la chance de pouvoir regarder ça en personne. J'en reviens pas, c'est merveilleux. Pervers. C'est quoi ça? Tu vois pas qu'on a mis le truc? Dégage! La boombox est en train de... jouer des airs... d'un certain genre. Ça ressemble vachement à la boombox que Katouk nous a demandé de trouver. Hé, pas touche! C'est pas à toi. Tu l'as volé, alors on la reprend. Pourquoi tu parles? On n'a rien volé, c'est notre boombox. Tu peux pas prouver que c'est... Tu peux pas prouver le contraire. Il y a le nom de Katouk qui écrit partout dessus. Achète-toi une vie. C'était censé être notre anniversaire de couple. J'avais hâte qu'on arrive enfin à ce jour. Et vous êtes en train de tout ruiner. Ah, la ferme. Et c'est pas de nous culpabiliser alors que vous êtes que des sales voleurs. Hé, tu lui parles pas comme ça! C'est pas grave, Gaz, elle est juste jalouse. Hein? Clairement, c'est juste une sale pauvre célibataire déterminée à ruiner les relations heureuses des autres juste parce que elle peut pas en trouver. Quoi? Et t'en fais des suppositions, hein. Pour ce que t'en sais, j'ai une relation amoureuse. Ha! Avec une coupe de cheveux comme ça, ne me fais pas rire. Oh merde. Ok, on y va, maintenant. On dirait que j'ai tapé là où ça fait mal. C'est parti. Le gagnant gagne la boombox. Oh, la ferme. Ah ouais, mais j'ai pas envie de casser la boombox. On va commencer par se fortifier. On va viser. Nanana. C'est malin. Rrr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 
Ouais, notre participation à votre quête pourrie finit ici. On y va, vous inquiétez pas. Truc. Bon, et ben on a les boombox. Ça leur apprendra à voler autre chose que le cœur de l'un de l'autre. Mais ouais, alors ramène ça à Katouk. Ouais, toujours en pervers lui. Continue de ramasser les bouteilles, on va pas se gêner. Ah. Madame Bouffant. Oh, 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 oh. Regardez ça. Un autre groupe insupportable qui cherche à se faire un nom. Je suppose que vous êtes venu ici pour faire une petite collab, hein, comme tous les autres. Un petit fit. Pas intéressé. À moins bien sûr que vous puissiez prouver votre valeur à mes garçons. Même si je doute que vous ayez une chance contre eux. Peut-être que vous préférez m'approcher directement. Mais je ne recommanderais pas ça non plus. À moins que vous soyez du genre... vous ramasser dans l'humiliation. Je veux cette bouteille derrière toi, elle est à moi. Le choix est à vous. Amusez-vous avec moi, avec mes garçons, ou pliez la queue entre les jambes. Option D, je vous baisse tous. Tu nous parles ou tu fais juste du beatbox? T'as dit quoi là? Oh mon gars. Allez, viens, Fly, on lui défonce la gueule. Ouais. J'ai du beatbox. Toute la journée. Tu peux te fatiguer autant que tu veux. Je te mets le feu. On va juste le tabasser tranquillement et régénérer notre hype sur sa gueule. Même pas mal. Wow, 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 wow. Hey. Non. Yann, juste pour savoir, il a dit quoi juste avant le combat qui t'a mis autant en rogne? Aucune idée. D'accord. On va soigner un petit coup. Humain. Mort aux humains. Mort aux sans-bec. Préparez-vous à vous agiter sans espoir alors que vos corps deviennent rouges, aussi rouges que les murs qui nous entourent. Joli poème. Mais... Eh ben, je suis sûr, il a du talent avec les mots. Mais est-ce qu'il a du talent avec l'action? Oui. Qui va baston? Ok, est-ce que tu dirais de deux mesures de douleur? D'accord, qu'est-ce que tu dirais de deux mesures de douleur? Très bien, qu'est-ce que tu dirais d'une immense baffe? Wow, il fait du growl, trop stylé! Wow, ah, 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 ça brûle! Ah, il fait des mesures de douleur, mais vachement plus fortes que les nôtres! Ah,
je brûle. Ah, j'ai pas le mana. Vite, faut le tuer. Meurs. Il m'a fait peur celui-là. Oh, les mesures qu'il met. Je vous hais. Mourez. Par là, mon cul. Un peu plus de soins pour Faye, un peu plus de soins pour Yann. On a de la marchandise à gogo. Et on n'a rien par contre pour restaurer notre hype. C'est ça le problème. J'ai oublié d'acheter du soda. Oh, il est classe, lui. Oh, des invités surprises. Vous appréciez la petite fête? Désolé, mais la magnificence de Madame Bouffon n'a pas de place pour vous. Mais je serais ravi de m'occuper de vous. Vous occupez de nous? Vous vous êtes impliqué dans la malédiction de la baston des groupes, n'est-ce pas? Peut-être qu'on pourrait faire un peu de musique ensemble. Ah! Et c'est bien? Mais bien sûr, très cher. T'es pas la plus futée aujourd'hui. Allez, faisons quelques harmonies. Oh là 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 là. Eh ben, harmonise ta mère, voilà. Il est beau. Ah ouais! D'accord. Je prends la leçon, il faut pas être trop prompt à... à appliquer des mesures aux ennemis parce que... Putain... Ok. Ah ouais. Ok, donc faut juste le tabasser. T'es déjà à max de vitesse, mon gars. Je suis débile, mais je finis par apprendre que ça sert à rien de te mettre des mesures. Le mec, il se met 4 mesures de vitesse à chaque fois. Qu'est-ce que je vais me faire chier avec de la douleur? Inutile. Ah, quelle musique barbare! Ma mère en entendra parler. Ah mais oui, c'est leur mère, ça se tient. Oh! Oui! Je parie que vous êtes plutôt cool et que vous imaginez que vous êtes plutôt cool avec vos super instruments. Ouais! Tu m'en malade! Je vais te montrer ce que c'est du vrai talent, la puissance musicale pure qui vient du cœur. Libre des chaînes, des conventions et... Et ouais, ta gueule. Wow. On va commencer par se mettre des petites mesures de hâte. On va lui tabasser la gueule, hein. Oh. Ok, donc lui il fait juste mal. Et on va juste lui faire mal. Un petit fondeur de visage quand même, ça fait plaisir. Ouais. Juste ouais. On va le tabasser lentement, gentiment, avec amour. Ouais. Je ne suis pas impressionné. C'était clairement le plus faible du groupe. Ok, vous avez gagné. Ça veut dire qu'on est potes maintenant? Non. Les amis, c'est pour les esclaves de la société. Ok, mec. Si, ça t'amuse. M'excusera, je pique ton ticket. Je vais flexer un peu, hein. M'excusera, je pique ta bouteille. Je vais flexer un petit coup encore, hein. On se bat? Impressionnant! Alors, je pense qu'on a prouvé notre valeur un peu, hein.
J'imagine que je devrais vous remercier pour avoir occupé un peu mes garçons. Ils ont passé beaucoup trop de temps à se battre entre eux. Les voir établir un ennemi commun, c'était rafraîchissant. Mais j'espère que vous êtes suffisamment échauffés après leur avoir tabassé la tronche. Parce que c'est l'heure de l'acte principal. Ça dirait une gigabaffe. Oh. Petite baffe. Ah, elle a passé garçon, elle a semé des mesures de vitesse. Et moi je te mets des mesures de douleur. Ça me fait plaisir. Ça te dirait de n'avoir que de la douleur? Ouais, les pouvoirs de tous ces garçons. Et ben moi j'ai le pouvoir de Faye et Yann, et c'est vachement mieux. Mega Baf. Oh! J'ai dit Mega Baf! Elle est solide, hein? Oh! Dame, 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 oh. Ah, 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 ah. Ah, j'ai zéro hype, au secours, que se passe-t-il? Ah, 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 elle draine ma hype! Ça me fait... Ça traîne ma hype, saleté! Aïe, 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 aïe! Bah, ceci, ça traîne ma hype, mais à côté de ça, ça ne fait pas grand chose. Hein. Le délice de la diva. Oh! Non, vraiment, c'est adorable, hein. Mais, ça fait juste traîner le combat. Bam! Oh, un drop. Bon, ouais, intéressant, j'imagine. J'ai gagné un succès. Alors... Soigne un allié pour 24 à 30 de vie et applique une mesure d'apaisement sur notre barre. Ah. Apaisement qui, j'imagine, c'est du soin en boucle. Non, mais ça va, hein. Jusqu'ici les ennemis sont pas bien dangereux, puis on a plein de soins. Je suppose que vous avez un peu de talent après tout. Très bien, vous avez prouvé votre valeur. Laissez-vous tranquille, et je vais vous donner un bon conseil. Supposons qu'il y a un passage secret quelque part au fond de cette immense masse capillaire. Oh, j'ai autre chose à faire que les regarder moi-même, et les garçons aussi, mais peut-être que de jeunes artistes comme vous pourraient être intéressés. Je suppose que vous pourrez commencer par regarder à ce bar miteux. Eh, pas mal. Très bien, allons au bar miteux. Ils disent des choses, eux. On n'est pas amis. Ah, j'adore ce mec. Vous avez fait un sacré spectacle. Peu réussi, ça reste... À tenir tête à... Combien? Peu réussi, c'est à s'imposer aux côtés de ma mère.
Tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes prometteur. Bonne chance. Oh, il respecte. Y'a rien de plus beau que le respect. Alors, les misérables humains ont gagné la faveur des plus puissants de la famille. Je m'en fous. Moi, je change pas d'avis. Je ne trahirai jamais ma haine, parce que ma haine ne m'a jamais trahi. Mais, allez. J'aimerais bien que tu arrêtes de parler comme ça, ça me fait mal à la gorge. Wubububub. Tu crois qu'il nous félicite? Oui, sûrement. Qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre? Clairement. Alors, j'adore cette épée. La parallaxe est pas mal foutue du tout. Bon, retourne en barre donc. Surtout que je crois qu'on a récupéré toutes les bouteilles. On esquive les pangolins, bien sûr. Les Bernard l'ermite quoi, les... Ah, je l'ai trouvé. Les ornithorynques. J'ai oublié le mot ornithorynque. C'est un enfer. C'est un enfer, mais effectivement, je vois un coffre. Et ça nous ramène là. Où est-ce que je suis? Au bar. C'est pas là que je voulais aller du tout. Je suis trompé. Bon, toi, tes bouteilles. Pardon. C'est vachement plus que 8 bouteilles. C'est génial. Ah! 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 Ça lance un pied. Ah! Je veux plus jamais voir ça de ma vie. Ça me réchauffe le cœur que vous ayez vraiment fait plus que ce que j'ai demandé. Ah. Donc, nouvelle compétence. Essaye de ressusciter un allié tombé. Fonctionne la plupart du temps. D'ailleurs, tenez, voici un signe de mon appréciation pour votre esprit écologique sans relâche. Waouh, 1000 balles. On fait pas semblant. Alors la vérité, faire semblant, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est ce qu'on fait tout le temps, non? Faire toutes ces courses là au lieu de se concentrer sur me fais pas. Baillez, faille. On s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on ait ramassé toutes les bouteilles. Pas vrai, faille? Non. Eh, j'ai 1000 balles. Oh ouais. Je crois que c'est à toi. Mon bébé! Mon bébé qui fait boum boum! Et à peine endommagé, merci beaucoup! Ouais, j'ai fait gaffe à pas mettre de mesure de douleur. Ah les gars, vous êtes merveilleux. Ah, je vous en dois une, tenez. 2000 balles, blé 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 blé. Oh, piller les magasins quand on retournera en ville. T'es sûr? Allez-y, prenez tout, bande de héros. Et puis d'ailleurs même, j'ajoute même ça, parce que pourquoi pas. Un patch. Augmente les dégâts infligés de 15% pour chaque mesure négative sur notre propre barre. Ah. Donc jusqu'à 60% en plus, c'est violent. J'ai acheté ce patch parce que j'avais mal, mais maintenant j'ai plus mal, alors j'en ai plus besoin. Wow. Dites-moi si vous changez d'avis. Oh, on peut pas changer d'avis. C'est dommage, elle a l'air super sympa. Mais... je vais trouver ce putain de passage secret. Je veux ce coffre.
Ah! Oh! Un stock, pas mal. Ah merde! Oh non, pas eux. Dégage! Oh! Ah bah c'est rapide. Attends, je vais te fondre la tronche. Fondre la tronche. J'ai pas compris ce que ça fait d'ailleurs cet effet musical là. Concrètement. Mega Pop Slap dans ta tronche. Et il disparaît. Et lui aussi. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et donc, comme je disais, on va s'arrêter dès qu'on arrive à sortir de Claire. Ah, la tente. On va se reposer un coup. On va racheter du stock à Box. Brin. Salut. On va venir à stock. On va y voir. Il manque 6 stocks. À 5 balles la pièce, et ben ça fait 30 balles. Oh, c'est offert, c'est offert. C'est offert, c'est qui que je peux l'améliorer? De 8 à 18, à 14 à 30. 1500, je suis si riche. 24 à 50, oh là 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 là. Oh là 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 là, tellement de dégâts. Oh, c'est obscène. Ah, ils m'ont pris en sandwich. Oh, faites chier. Dégagez. Dégagez. Ok, donc ils ont genre moins de 100 PV. Oh, dégâts minimaux, sérieusement. C'est ça, fais de la zik. Pendant que je te déglingue. Voilà. Les glingues, il est trop facile ce jeu. Par là, il y a quoi? Il y a rien du tout, ça reboucle. Ah mais c'est là qu'il y avait tout des cacouacs. Il y a rien de looté ici. Il y a pas de secret. En direct, non. Et ben on se casse. Si je retrouve le chemin. Ça va aller. Non, non! Ah, j'étais coincé contre le mur. Baribou! Cordialement. Ah! Bon, c'est pas les one-shot, mais... Wouah! M'en contenterait. Ok, ok, ok. Les stats, ça monte vite quand même dans ce jeu, hein. Il a tourné au bec, putain, on est loin. Enfin bref. On va se retrouver au prochain épisode à la sortie de l'arbre. Au revoir à tous et à la prochaine.